Mais vous l'avez compris, cette démarche répond à une volonté de l'ensemble des membres fondateurs de la Maison départementale de l'emploi et de la formation que de s'inscrire dans cette démarche qui vise à la fois, bien sûr, le développement des territoires. C'est ce qui vient d'être dit à plusieurs reprises. Madame la Présidente a insisté également là-dessus. Mais également répondre à des enjeux qui sont des enjeux beaucoup plus immédiats. Alors même si je sais que ces thèmes-là feront l'objet de débats au cours de la journée, il est vrai que autour de la démarche GACET, nous attendons bien évidemment des résultats sur le court terme. Je sais ô combien il est difficile effectivement de produire des effets sur le court terme. Ces effets sur le court terme peuvent être produits dès lors où la dynamique est engagée et on a bien compris que toute l'énergie qui avait été consacrée par la Maison de l'Emploi et de la Formation, accompagnée par l'ensemble des acteurs, avait eu dans un premier temps vocation justement à fédérer autour de cette initiative, autour de cette ambition, hein, qui est une ambition forte pour le département. Je parle d'effets immédiats parce que je sais qu'il y a dans la salle un certain nombre d'acteurs qui accompagnent au quotidien des publics en difficulté, des publics qui ont perdu leur emploi, des publics qui sont, pour certains d'entre eux, beaucoup plus éloignés de l'emploi, donc en accompagnement vers ce retour à l'emploi. Et ce qui est intéressant, c'est justement que cette démarche-là mette en avant les compétences plutôt que la détention de diplômes ou de qualifications. On sait bien aujourd'hui que les besoins des entreprises sont centrés sur des compétences très particulières, des compétences qui évoluent bien évidemment, mais que les personnes en parcours d'insertion, et je pense particulièrement aux bénéficiaires du RSA, ont à faire valoir des compétences, des savoir-faire, des savoir-être, et que la démarche GACET vise aussi, à mon sens, à changer le regard sur les publics en insertion au travers de cette approche des compétences. Donc ça, c'est extrêmement important. Je parlais des faits immédiats. GACET en a produit quelques-uns depuis la fin de l'année et le début de l'année 2013 par des premières actions qui ont permis de réunir environ 25 stagiaires qui ont pu suivre, je ne sais pas si on doit appeler ça des formations, mais en tous les cas, se retrouver autour de l'acquisition de compétences communes qui leur permettront derrière de faire valoir leur savoir-faire dans le cadre de leur parcours individualisé de formation. Alors GACET, bien évidemment, porté par la Maison de l'Emploi et de la Formation, trouve sa place dans le projet territorial durable Nièvre 2021. C'est une action ciblée dans le cadre de ce projet-là. Projet qui, comme vous le savez, réunit l'ensemble des acteurs du département autour d'une volonté commune, celle de faire de notre département un département ambitieux, fier de ses richesses, conscient de ses désavantages, mais ayant conscience qu'il a la possibilité d'inverser la tendance et de conduire l'ensemble des populations, des publics, vers un devenir qui prennent en compte les attentes, les aspirations de chacun. Sécuriser les parcours d'insertion, c'est une ambition forte du département, mais répondre également aux besoins des entreprises, eh bien, c'est faire en sorte que notre département se développe, qu'il crée aussi des emplois qui resteront sur place, puisqu'il y aura derrière la possibilité de conserver des compétences et de permettre au public d'acquérir de nouvelles compétences. Merci à vous.